alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers parents, chers enfants, chers adolescents, nous sommes dans la deuxième nuit de Muharram. Nous allons parler de l'arrivée de l'imam al-Hussein à la Mecque, des raisons de son départ. Nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. S'il vous plaît, suivez les vidéos jusqu'à la fin, partagez-les en vous abonnant. Merci. A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil khalq wa azzil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina abul qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Azama Allah ujuhana wa ujuhakum bi musiba Aba Abdullah al-Hussein wa ahli baytihi alayhimus salam. Takabbal a'malakum. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Que Dieu prie sur toi, ô messager de Dieu. Que Dieu prie sur toi et sur les membres purs de ta famille. Que Dieu prie sur toi, ô Aba Abdullah, et sur les martyrs qui sont tombés avec toi, comme nous aimerions être avec vous pour que nous remportions une grande victoire, une victoire grandiose. Enfin, la Mecque, point de départ de son dernier voyage vers Dieu, lieu de rassemblement annuel de tous les pèlerins musulmans, terre sainte de Dieu placée au centre de notre vie en ce monde et dans l'au-delà. C'est là que Dieu a protégé la descendance prophétique. De là est parti le dernier message divin. De là partira la sauvegarde de la religion de Dieu. De là sortira l'imam al-Hujja que Allah hâte sa venue. L'imam de notre temps pour appliquer la religion divine sur terre et venger le sang versé à Karbala. C'est cette ville que l'imam envoya des messages aux quatre coins du monde musulman et c'est dans cette ville qu'affluèrent les délégations et les milliers de lettres annonçant leur allégeance à l'imam al-Hussein et leur refus de prêter allégeance à Yazid, leur engagement à suivre le livre de Dieu et la sunna du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, à ordonner le bien et à interdire le blâmable. Ainsi, la nouvelle du déplacement de Hussein de Médine à la Mecque parvint aux habitants d'Irak qui décidèrent eux aussi de lui envoyer des milliers de lettres d'allégeance. Comme les gens t'attendent et ils ne veulent que toi, alors viens vite, ensuite viens vite. Et comme les jardins sont devenus verts et les fruits mûrs, la terre est recouverte d'herbes et les arbres de feuilles, viens et tu trouveras des soldats à ta solde. L'imam leur répondit en leur rappelant ce que représentait pour lui l'imama. Par ma religion, l'imam ne peut être que celui qui gouverne selon le livre et celui qui établit la justice, qui a pour la religion la vraie religion, qui s'en tient scrupuleusement aux prescriptions de Dieu. Quand les choses commencèrent à se précipiter, il écrivit l'imam al-Hussein une lettre aux habitants de Koufa dans laquelle il rappela le contenu de leur lettre et leur appel à sa venue et les informa de l'envoi de son cousin Muslim ibn Aqil pour qu'il apprécie la situation et prépare sa venue. On était vers la moitié du mois béni de Ramadan de l'an 60 de l'Égypte. Dès que l'imam reçut une lettre de son cousin Muslim ben Aqil, lui confirma la volonté de la population de Koufa de lui prêter serment d'allégeance et de se révolter contre Yazid,
Il prit sa décision. Il rassembla sa famille, ses proches et ses compagnons et leur annonçant la décision du départ. C'était le huitième jour du mois de Zul al-Hujja, le jour où les pèlerins s'apprêtaient à accomplir les rites du Hajj. Pourquoi un tel empressement? C'est qu'il avait appris que Yazid avait envoyé des hommes de Damas chargés de le tuer, même durant le Hajj, même s'il le fallait dans l'enceinte sacrée de la Mecque, que Dieu a rendu un lieu de paix et de sécurité pour ceux qui s'y trouvent. Non, disait l'imam Hussein, j'aimerais mieux être tué dans n'importe quel lieu que de voir l'immunité de l'enceinte sacrée violée en m'exposant à y être tué. Ainsi, le jour où tous les pèlerins étaient occupés aux préparatifs pour la station à Arafat et répondre à l'appel de Dieu, je viens à toi, mon Dieu, je viens à toi, disait l'imam al-Hussein. Labbaïka, Allahumma, labbaïk. L'imam al-Hussein tourna 7 fois autour de la Kaaba, pria 2 rakas derrière la station du prophète Ibrahim, paix sur lui, père des 3 grandes religions monothéistes, parcourut 7 fois la distance entre Safa et Marwa, rappelant la recherche de l'eau par Aja pour nourrir son nouveau-né Ismaïl, paix sur lui. Puis rompit son état de sacralisation, transformant son Hajj en une Umra, de crainte que son sang soit coulé dans l'enceinte sacrée de la Mecque. C'est ainsi qu'il répondit à l'appel de Dieu et allait à lui. Avant de partir, il parla aux gens. Louange à Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Il n'y a de force qu'en Dieu, que Dieu prie sur son messager. Ô gens, la mort est suspendue au cou des fils d'Adam, comme un collier au cou des jeunes femmes. Je suis impatient de revoir tous mes chers disparus, tout comme l'était Yacoub de revoir Youssouf. Il me faut m'acheminer à la rencontre de la mort qui m'a été choisie. Je vois déjà les jointures de mes os déchiquetées par les animaux sauvages du désert dans une terre du nom de Karbala, terre d'épreuves et d'afflictions, pour repaître le ventre vide de leurs vains espoirs. Pas de refuge contre ce que la plume du destin a tracé. Ce qui satisfait Dieu nous satisfait. Nous, gens de la maison, nous patientons à ces belles épreuves et il nous accorde les récompenses de ceux qui sont patients. Celui qui offre sa vie sur notre voie et il est prêt à rencontrer Dieu, qu'il vienne avec nous. Car demain matin, je me mettrai en route si Dieu le veut. Cette même nuit arriva Mohammed bin Hanafiya de la Mecque, essayant à nouveau de dissuader l'imam, son frère, de se rendre à Koufa. « Mon frère, tu n'ignores pas ce qu'ont fait les gens de Koufa à ton père, l'imam Ali, et à ton frère, l'imam al-Hassan, paix sur eux, comme ils les ont trompés et trahis. Je crains qu'ils ne fassent de même avec toi, si tu décidais de rester à la Mecque, qui est le sanctuaire de Dieu. Tu serais respecté et honoré, et personne n'oserait porter la main sur toi. » L'imam Hussein lui répondit, « Mon frère, je crains fort que Yazid ne me fasse tuer à la Mecque, et que cette maison sacrée soit ainsi profanée. » Mohammed dit, « En ce cas, rends-toi au Yémen, ou bien dirige-toi ailleurs, de sorte que personne ne puisse mettre la main sur toi. » L'imam al-Hussein répondit, « J'y réfléchirai. » À l'aube, cependant, la caravane de l'imam al-Hussein se mit en route en direction de l'Irak. Dès que Mohammed bin Hanafiya eut vent de son départ, il rejoignit en hâte la caravane et saisit les rênes de la monture de l'imam al-Hussein. « Mon frère, ne m'avais-tu promis de réfléchir ?»« Si, je te l'avais promis. Alors pourquoi quitter la Mecque avec tant de précipitation ?»« C'est que après ton départ, le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, est venu à moi et m'a dit,
Hussein, mets-toi en route. En vérité, Dieu veut te voir tué. Nous sommes à Dieu et nous retournons à lui. Si ta destination est le martyr, alors pourquoi emmènes-tu les femmes avec toi? Hussein répond et dit, Dieu veut les voir captives. Alors Mohammed bin Hanafiya quitta son frère pour rentrer à Médine, le cœur serré, les larmes aux yeux. L'imam, paix sur lui, quittait la Mecque pour répondre à l'appel de Dieu, se soumettre à sa volonté qui est de le voir tuer et les femmes captives. Il savait que Dieu n'enverrait pas de mouton pour être sacrifié à sa place ou à la place de son fils, le nouveau-né, ou bien à l'île Aqaba ou de ses neveux, que les femmes et les enfants ne trouveraient pas d'eau, ni qu'ils ne bénéficieraient de l'œil bienveillant d'une tribu arabe pour les protéger, au contraire d'Ajar et de son fils Ismaël, paix sur lui, mais qu'ils seraient malmenés, capturés, emmenés de pays en pays, connaissant la soif et la faim. Ainsi était la volonté de Dieu. Il fallait du sang pur pour raviver l'islam, pour réveiller la nation endormie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.